on va pas se marrer bientôt. Let's go, Zibonnet, 4-0, je suis passé. Ah, mais on a une grosse équipe. Ah là. On a même un Argentin. On a dit wow. Parce que la saison reprend le 10, mais il y avait match amical contre une abîme. Et à Saint-Félix. Le cas où je jouais pour le même. C'est bien ça. Et ce matin, j'étais avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai? Oh, puisqu'ils sont venus pour détecter les jeunes du gosier. Cinq. Ils ont même dit moi, ils ont même dit Nasser, Kalaï. Et aussi Nicolas. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Voilà, il y a. Donc là, on me dit pas, pour nous. Donc lui, il fera quoi? Il prend l'informatique. Lui? Oui. Non, lui, il est sur une la boîte, on est là. Il c'est un sujet à la forge. En intérim, pas deux mois. D'accord. Bon à toi la femme. On a la boîte, on a un livre pour les ciments. Il va t'avoir. Ah donc c'est ça, c'est ciment, c'est ciment. Oui, oui, c'est ça. Bon concurrent, c'est Gounouma. Non. Non. Faut pas passer par Gounouma, c'est mon frère. Hein. Ah bon? Mais j'étais à l'école avec lui. Ouais. Eh ben oui. Mais il vient changer de ciment, Mathieu. Ah bon? Je lui dirai ça. Je lui dirai ça à Patrick, il n'y a pas de problème. C'est en mode pas, c'est en mode self. Donc. Ouais, ouais, servez-vous, ouais. En gros, en mode self, ça veut dire gentiment, levez, faites ça. Ouais. Ah ouais, avec lui. Elle est dans à Jarry. Oui. Ok, d'accord, merci mon frère. Bon. Merci mon frère. Il n'y a pas de ruban alors. Oui. Ah ben, un ruban bleu blanc rouge alors. Et il aurait dû mettre son écharpe aussi. J'ai jamais pu imposer une municipale aux studios comme Lucas, comme l'ordinateur. Ah oui, tais-toi là. C'est Jean-François. C'est un petit pâté. Ça la vient nous couler. T'as soir, il y a mis manger. Ça ne faut pas faire pour ça. C'est Saint-François, on va pas faire. Il y a fait moins chaud toujours. Ouais, le vent va passer mieux. Dieu que j'en fais comme ça. Je l'avais en France et j'avais la mauvaise. Je n'ai pas de ça m'embarrasse dans mon. Non, mais c'est avant. C'est quand j'étais en métropole. Tu vas un petit peu musical. Oui. Oui. Ah bon. Et là, tiens, monsieur. Il faut quelqu'un de grand. Monsieur Lapierre. Monsieur Lapierre. Ouais, tu veux nous. Mais les jeunes, les jeunes. Ils ont beaucoup de grands. Lucas. Arrête, mais on est 5h tous les jours. Dis donc, on veille bien. Ouais, rempli. Et Lucas, rempli. Lucas, laisse-le ouvrir, il est rempli pour lui. C'est normal, on va dériver. Vous gagnez, ouais, c'est tout. Ah, il va qu'on l'aide pour. Il y a toujours un endroit. Bon, nous voyons ce qu'on fait même vite à la bout de deuxième là. Il y a une pression, tout le monde regarde, je le c'est même filmé, eux. Il y a une preuve, on veut si vous êtes menti ou pas. Deux sur deux. Eh bien voilà, on a trouvé, la bonne personne. Ok. Et pour passer le bouillon, qui est-ce qui boit du champagne? C'est ça, exactement. Lève la main, madame boit du champagne. Mademoiselle, qui boit du champagne?
Non, c'est de l'eau pour. Ah oui, alors, elle a hésité. Elle a hésité. Voilà. C'est vrai. Elle veut apporter un meilleur aussi alors. Elle veut apporter un meilleur aussi alors. Mais est-ce que tu es content de ton conseil municipal, Lucas? Oui, oui, bon. Non, bah, c'est important aussi. Hein. Eh, mais eh, Lucas m'a dit, vous avez fait une grosse fête. Oh, eh, Lucas, t'as pas un gros blow. Tous les Albéries se sont rassemblés. Ah ouais. Ouais. Juste maman, tu as si content, ils sont maman. Maman. Bah oui, elle m'appelait aussi. Non mais quand même je tenais au nom de Jules, de Lucas et de toute la liste de travail formidable que vous avez mené pour nous aider. Et je tiens à vous remercier parce que on ne peut pas être élu maire, faire près de 5000 voix tout seul. D'accord? Et vous avez fait un gros travail. Ben oui. Et je tiens vraiment à vous remercier tout d'abord pour fait l'effort de nous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Yes. Aïe 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 Lucas. Voilà. Toute la famille, on est tous là, le maire. Hop là. Ah, Lucas est content. Monsieur Jules. Oui, c'est Jules. Ah ben oui, c'est bien. Tu veux voir un verre de jus? Bon, tu fais chaud, hein, maman? Mais Lucas, tu sais ce qu'on va faire? On va faire la communication de la Riviera du Levant et de la ville du Gosier. Venir faire un reportage ici. Voilà, vous avez parlé de vos tarifs. Je vais demander. Alors, dis ça, Edwin. Mais j'ai déjà l'accord du mairie du président. D'accord? Et on fera que les deux viennent. Et ce sera sur Internet. Voilà. Il faut quelqu'un de stable, il faut quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui ne trempe pas parce que... Ah d'accord. C'est ça pour le plateau. Pour le plateau. Mais maman, non. C'est un plateau. Maman quand même. Bah non, pas moi. Je ne suis pas équilibré là. J'ai des talons. Je pas une qui la tête. Il y a les trois derrière, c'est champagne sur les autres. Champagne au sérieux même. Maman, c'est toi. Attends. Qui? Allez, allez. Oui, on va la voir. C'est juste les cheveux sur la même couleur, ouais. Et les lunettes aussi. C'est bon, c'est bon. Ben, ça va aussi. Pas au contrôle. Oui, monsieur. Ok, d'accord. Pas au contrôle, ça. Et monsieur, et monsieur, Simon. Moi, dis ça. Pour Romy. Et le caméraman. Romy. Non, je vois l'alcool. Tu as pas dit, c'est ton nom. Oui, je sais. Il m'a expliqué tout. Oui. Il m'a expliqué la salle, il m'a expliqué la caméra. Je suis au courant de tout. Le projet. Tant mieux. Nathan. Ne vous inquiétez pas. Le projet. Tout roule. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Oh, mais t'as un beau sacouchi. Comment il s'appelle? Ça joue plus. Monsieur Cornet. Oui. Le projet. Oui. Vous l'avez reçu? On a reçu. D'accord. Et il est à l'étude. C'est bien alors. Tant mieux. Lucas, tu lui as pris ton sac? Oui, j'ai pas. Mami Gucci. Et là, discours. J'attends que tout le monde va se faire. Ah ben oui. Et il répond pas.
Attends, que tout le monde s'en fait envie, après comme voilà. C'est un discours avec vous. Non, je sais pour vous deux. Prends le verre de jus ou du champagne dans ta main. Ici, devant. Excusez-moi, madame. Et devant, ta soeur. Toi, Willy. Marie. Et devant. Madame la Tati. Ah. Monsieur du ciment. Le tonton. Le tonton. Lucas. Ok. À nous. Quoi? Mon colistier, mon conseiller municipal et maintenant mon chef d'entreprise. D'accord? Sache que ton ami, on sera toujours là avec toi. Et pas comme moi, toute l'équipe, on est avec toi. Donc ça veut dire que nous, on n'a jamais quelqu'un de l'équipe. Et donc, du début de ton aventure professionnelle jusqu'à son expansion, en espérant qu'un jour tu n'auras même plus besoin de notre aide, hein, voilà, on souhaite vraiment que tu réussisses et que ce projet permette à beaucoup d'enfants du Gosier, peut-être même en dehors du Gosier, puissent avancer, évoluer dans ta structure. Et moi, mon rêve, c'est de voir une deuxième, une troisième structure se créer, une vraie franchise. Ouais, voilà, voilà, et donc on va t'aider à ça. D'accord. Et tu sais que tu peux compter sur moi. Donc voilà, donc au nom de toute l'équipe, Julie à côté de moi, à mes adjoints, on est là avec toi et on te lâche pas. Merci. Ok. Merci. Mais et donc plein de bonnes choses, plein de réussite pour la société. Merci. Le secret de la réussite. Merci beaucoup. Merci. Lucas, on t'écoute. J'ai un petit discours à faire pour remercier tout le monde, justement. La famille, ceux qui m'ont aidé. Dommage, il n'est pas là, Malik. C'est des cornets. Tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu. Romy, le caméraman qui est devant moi, m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a permis d'avoir ce local aussi. C'est lui qui bravo, m'a merci aidé. À lui, merci à lui. Il a fait tout ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Et la famille, le secrétaire Willy, dommage qu'il n'ait pas le président de l'association, DX Damien. Bon, oui, mais au moins il s'est filmé, il va l'automne. Voilà. Et le secrétaire maman? Le secrétaire ma mère aussi. Ah ben voilà. Je peux te le dire, le rôle de secrétaire c'est le plus important. D'accord. Mon père n'a pas pu être là, c'est dommage. Ouais, il sera là. Le secrétaire c'est quelqu'un d'hyper important, le trésorier aussi. Mais le secrétaire c'est la personne sur qui toute l'association se repose. Exactement. Donc maman, merci à maman. Merci. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le trésorier. Ah, bravo Willy. Bravo Willy. Non, mais c'est important. D'ailleurs, j'ai déjà travaillé avec Willy en termes d'association. Quand tu es secrétaire, le trésorier aussi, parce que, bon, alors on peut fonctionner sans trésorier, puisque le président peut faire office de trésorier. D'accord. Mais c'est très très important d'avoir un trio qui s'accorde dans le temps. C'est-à-dire qu'on doit se réunir assez souvent. Donc il faut vraiment que le président, le secrétaire et le trésorier puissent organiser un PV régulier pour que votre structure continue à vivre. Parce que après, c'est quand tu es contrôlé, on demande c'est quand la dernière fois que le conseil d'administration s'est réuni. Donc c'est vraiment important que Willy, ta maman et le président soient vraiment là. Même si, parce qu'il faut savoir que les employés touchent, mais le conseil d'administration ne touche pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ces personnes bénévoles soient vraiment présentes pour aider la structure. Et ça me fait penser un petit peu à notre conseil municipal. C'est ça. Voilà. Et comme quoi, c'est pour ça que quand je disais aux gens, je disais, ouais, bénévole, mais attends, tous les présidents d'association, je vois la S-Gosier qui est champion, la JSF, les autres, eh bien, ils ne touchent pas d'argent. C'est ça. Et le samedi, dimanche, ils ne sont pas avec leur famille. Le soir, ils ne sont pas avec leur famille. Des fois, même la journée, ils ne sont pas avec leur famille. Ils sont avec une nouvelle famille qui s'appelle l'association. Et ils ne touchent rien. Et donc, c'est vraiment, ils donnent leur temps et leur énergie. C'est ça. C'est vrai. Ah ben, j'ai quelqu'un qui arrive. Monsieur Bilas, il va s'approcher. Ah ben, viens, monsieur Bilas. C'est mon enseignant. C'est lui qui m'a formé à l'ESP, l'école des professeurs, justement. Enchanté. Il est juste là. Bien. Là, il est au bon moment. Voilà. Je l'avais félicité aussi pour son travail, puisqu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a donné beaucoup de conseils aussi. Super. Pour la structure qu'on a. On a besoin de ça. On a besoin de gens qui nous conseillent. Il m'a beaucoup aidé, même m'a conseillé, il m'a expliqué des choses et tout.
Donc je tiens à le remercier également. Ah ben super, merci pour ce que vous avez fait pour Lucas. Et merci pour le m'a fait aussi. Hein. Il m'a beaucoup aidé pour les livres, il m'a apporté des livres. Donc voilà. D'accord. Je vous le remercie. Mais c'est vrai qu'avec les livres, chaque année ça change. Ouais, oui, mais on a quand même un nouveau programme, il vient d'arriver. Donc c'est des bons programmes, je sais pas. Ok, d'accord. C'est des bons livres. Ok, ok. Donc, je suis très content de ça parce que voilà. Alors il faudra mettre tout ce rapproche aussi de la médiathèque parce que il y a tout un stock de livres qu'on va jeter, du moins qu'on va reclasser. Ce serait bien que tu te rapproches d'eux, puisque on va avoir 75 000 euros pour acheter des nouveaux livres. Donc les anciens livres vont, entre guillemets, changer demain. Donc peut-être te rapprocher de Madame Dupont ou Madame Fort. Tu leur dis que tu viens de la part du maire et que tu veux voir les livres qu'ils ont, qu'ils vont s'en débarrasser et récupérer. Il y en a, j'ai vu beaucoup de livres éducatifs. D'accord. Donc vas-y à la médiathèque. Okay, tu viens de ma part. Je pense, d'accord, de toute manière. T'as qu'à dire au conseil municipal, voilà. Pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin tellement. Voilà. Bienvenue Lucas. Et même tu vas avec Megan. Parce que Megan est présidente de la commission. Ouais, voilà, et tu peux. Autant que les livres servent vraiment à quelque chose. C'est ça, c'est voilà, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Bon, eh bien, longue vie à au secret de la réussite. Voilà. Bravo d'être à Kiev. Si je peux dire un petit mot. Ah ben, parce que, oui, non, oui, même oui, deux, oui. Même non, deux. Non, juste trois. Un petit mot, oui. Ce gars-là, c'est un gars qui a 6h30 et sur la route et va travailler. Oui. C'est le secret de la réussite. Eh ben voilà. Bravo. On est d'accord, on est d'accord. Merci. On a toujours dit que ce n'est photo. L'avenir appartient à ceux qui se s'organise le matin et la journée, elle est organisée. C'est important. C'est vrai. Bon courage à toi, Luc, et à ton équipe. Merci. Mamie, c'est bon? Tati, tonton, mademoiselle, attention, oui, mademoiselle. Non, merci. C'est bon. Non, c'est sûr. Il y a de l'amour. Malik m'a aidé pour tous les travaux ici. Pour tous les projets, pour dès qu'on a un truc à faire. C'est bien. Malik est déjà là. Dès que tu as un truc. Eh ben, regardez-vous, Malik aussi, j'ai un bisou. Voilà, Malik. C'est vrai, Michi. Ça m'a Malik est déjà depuis 8 heures. Il m'a dit depuis 8 heures. Dès que Malik est déjà là. Opérationnel. Voilà, opérationnel. Pour tout, il m'aide. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. C'est lui qui a coupé justement les bonnes choses. Mais il lui a dit qu'il ne croit pas. Ça lui a géré, ouais. Il est venu, il est monté à l'ordre. Franchement. C'est super. Je vais t'appeler aussi. Lucie, tout le monde doit mettre un Malik dans sa vie. Depuis un moment. C'est le fils de Marie, le vacancier. Ça va, chérie. Voilà. Mes petits enfants. Mes petits enfants de Marie. Où est Isabelle? Où est Isabelle? Elle n'est pas venue. Ah. C'est mon cousin. Arnaud, ça va? Arnaud. Bien. Alors, tonton. Ça va bien? Ça va. Ok. Ben non, je suis avec Lucas et Jules. On est en train d'inaugurer l'école de l'école. Eh ben oui, ben vous, on est au moins une trentaine de personnes. Et ça va, oui, pas. Mais elle est avec moi. Oui, je suis là, c'est la personne du corps. Non, attends, on nous prend des bits quand même. Yo,
Alors, je suis pas non, non, non. Ah, ouais, ouais, il a fait tomber. Il y a un petit four. Ouais, mais ok, ok, d'accord. Non, Luc, d'accord, d'accord. Actualise. Ah, ah ouais? Les deux. Bon, eh ben, d'accord, d'accord. Bon. Oui, c'est pour te dire, non, j'aurais bien moyen, mais que la communication d'être un reportage sur l'école de Lucas. Bonjour. Bonsoir. Ah, ouais, j'arrive. La rentrée, il y a les ah, j'arrive. Ah non, quoi? Voilà, je pense que bonjour Laurent. Merci. Bonjour Tana, félicitations. Je remercie Laurent aussi. Romy. Laurent valide. Romy. Bonjour. Oui. Lucas. Tana, remercie Laurent valide. Lui, il a un centre de soutien scolaire à Pointe-à-Pitre également. Des racines du succès. Et j'ai travaillé avec lui, je l'ai découvert en particulier chez lui. Et j'avais déjà l'idée de faire un centre de groupe particulier. Il m'a encore plus motivé à faire un centre. Mais un tout petit peu. Il m'a encore plus motivé à faire un centre. Il m'a beaucoup aidé, m'a expliqué, il m'a donné les courage. Voilà. Et grâce à lui, j'ai pu ouvrir la structure. Mais ça a été un plaisir de travailler avec toi cette année. Maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui ait ton talent. Dès que je peux, je te dis. Donc, tu vois, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'aider les jeunes. Lorsqu'on est arrivé en crise du Covid, il n'y avait plus personne à part toi, tu vois. Donc, merci de m'avoir suivi cette année. Et félicitations à toi, et ça fait vraiment plaisir de voir que tu te développes. Merci. Ça me fait penser à moi au début. J'ai oublié, Ibo. Ibo, mais un peu sérieux. Deux secondes. Déjà. Ah, en comptant vous même, Ibo. Conseiller régional, comme moi-même. Oui, oui. Oui, oui, oui. Mais en comptant vous êtes dans l'investiture en moi. Merci, Ibo. Merci en pile. Vous venez avec nous, bon Tibitan? Oui, oui. Ok, d'accord, d'accord. Lucas! Viens dire bonjour Ibo. Ah Ibo. Bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour. C'est Ibo. Ça va? Ça va? Bien, bien, bien. Eh bien, c'est bon. C'est bon. Vous venez nous inaugurer à nous. Oui, bien. Eh bien, venez. Voilà. On est avec Ibo. Voilà. Au pluriel. Voilà. Oui. Oui, Ibo. Ah. Bonjour Monsieur le maire. Oui, bonjour. Je suis Madame Albéry Agnès pour canalgenette.com. D'accord. Pour quel événement êtes-vous chez les Mille Fleurs et Albéry? Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être invité par mon collègue Lucas Albéry qui organise une nouvelle structure d'aide de cours de soutien scolaire. Et c'était tout un honneur pour moi d'être présent ici pour lui donner la force pour pouvoir faire en sorte qu'un jeune du Gosier puisse développer l'éducation sur le territoire du Gosier. Très bien. Vraiment le plus fort avez-vous développé pour le Gosier? Alors c'est vrai que nous on a un vrai combat avec l'eau et les déchets et notamment l'éclairage public qui est un vrai problème sur le secteur du Gosier. Mais déjà le point fort que nous avons mené c'est qu'on a mis en place le conseil municipal bénévole, le conseil municipal ouvert, on a lancé l'audit, on a lancé le plus et après depuis 85, on espérait la route de Béline, et bien nous sommes arrivés, la route de Béline est faite. Et aussi on travaille sur Grand Bay, parce que Grand Bay doit être refait. Et aussi on a un vrai projet d'installer dans les mois qui viennent un marché délocalisé. Celui de la Dacha, il empêche le vendredi les voitures de circuler librement, donc il sera déplacé. Et on va mettre un guichet unique aussi en dehors du bourg où on va avoir la région, le département, Pôle emploi, les impôts, une police municipale, annexe de mairie. Donc en gros, on va être en plein chantier durant ces 6 ans. Très bien. La population du Gosier vous a élu.
et vous apprécie. Dites-nous vos deux mots, vos sentiments. Ah ben moi je suis très content, c'est un rêve d'enfant d'être maire de la ville du Gosier. En plus la cerise sur le gâteau, je suis président de la Riviera du Levant. Je ressens l'amour des habitants du Gosier et il est réciproque. Et en plus de ça, l'amour aussi des habitants de Sainte-Anne, Saint-François et des Irades. Donc pour moi c'est vraiment que du plaisir et du bonheur d'être à la place où je suis actuellement. Très bien, félicitations. Merci. Merci monsieur le maire. Bonjour monsieur Lucas Albéry. Bonjour. Je suis madame Agnès Albéry, vous, canalzenet.com. D'accord. Comment avez-vous l'idée d'installer un centre de soutien scolaire au Gosier? En fait, le centre de soutien scolaire, c'était une idée depuis au moins 2 ans que ça trottait dans ma tête. Je me disais que les enfants avaient besoin d'un appui, mais un soutien particulier. Pour moi, les enfants, ce qu'ils voient à l'école, il leur faut quand même un peu plus de temps, plus d'affinité pour pouvoir comprendre certaines notions. Et en plus du Covid-19 qu'on a subi, je me suis dit que les élèves auraient vraiment besoin d'un soutien et auront vraiment besoin d'approfondir les notions vues en cours. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir un centre de soutien scolaire au Gosier. De plus, au Gosier, il n'y a pas de centre de soutien scolaire qui dispense toutes ces matières. Nous, on fait de la physique chimie, des mathématiques, de l'anglais, de l'informatique pour les seniors, du français et de l'anglais. Très bien. Que représente le centre du soutien scolaire, le secret de la réussite pour vous? Donc, comme je l'ai dit, c'était vraiment un rêve pour moi de pouvoir permettre aux élèves de venir et d'avoir ce soutien scolaire qu'ils n'ont pas forcément dans les établissements scolaires et qu'ils puissent vraiment discuter avec leurs enseignants, prendre leur temps et apprendre vraiment en approfondissant les notions vues en cours. C'est vraiment pour moi, c'était vraiment un rêve pour moi de pouvoir permettre aux élèves de venir et de comprendre réellement ce qu'ils apprennent en cours. Parce que souvent, des élèves viennent apprendre en cours des notions, mais ils n'apprennent les notions qu'en surface. Et ils n'ont pas l'occasion d'approfondir et de comprendre vraiment ce qu'ils ont vu en cours, ce qui est vraiment dommage. Très bien. En tout cas, très bonne idée, monsieur Albéry. En tout cas, je vous félicite. Et puis, aujourd'hui, je pense que c'est l'inauguration. C'est pour ça que nous sommes tous présents. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous sommes ici présents pour l'inauguration du centre de soutien scolaire. C'est très bien. Voilà. En fait, mes félicitations, monsieur Albéry. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. On voit que les choses commencent à bouger. À bouger dans la commune. Donc ça, c'est ce qu'on attendait. Voilà. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Tant qu'il y a de l'évolution. Eh bien, ça qu'il faut. Surtout du dynamisme, oui. C'est vrai. Okay. Merci beaucoup. Maman, assieds-toi. Bonsoir. Maman, bonsoir. Maman, bonsoir. Voilà, Chafin, c'est mon père. Il m'a beaucoup accompagné aussi pour le centre. Il m'a aidé pour les travaux également. Il m'a beaucoup aidé. Bravo, monsieur. Financièrement, il m'a beaucoup aidé. Voilà. Je t'en remercie beaucoup. Pas financièrement, tu m'as fait travailler. Oui, j'en travaille. Bravo, bravo. Bravo. Tu ne vas pas travailler pour moi trop longtemps, il me disait tout. Tu l'as mis au combat. C'est ça, il faisait des journées complètes. Il me disait, c'est trop long les journées et tout. Ouais, mais c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Bon, 2 semaines. Faut pas travailler. Le résultat est là. C'est ça, 2 semaines. Déjà, il y a déjà quand même 24 ans. Ouais, mais après ça. Ça a duré 24 ans que. Mais après, ça c'est vous qui êtes encaissé. Tout à l'heure. J'ai dur. Ah, tu vois, il a la marron, il a la bleue. Attends, voilà. Mais ça fait 5 ans qu'il doit monter la bleue pour moi, j'attends de lui. Non, mais c'est il a l'excuse, scupé de Lucas. Ah ouais, c'est ça. Il faut faire un chemin parce que là. Voilà, c'est la communication pour nous, c'est vidéo, c'est des vidéos. Lucas, tiens. C'est à toi. C'est à toi.
Non mais c'est Tiffany qui joue encore. Tiffany aussi. Tu veux dire Ibo, ça va Ibo? Ben non, ça va, c'est bon hein. On fait tout. Mais c'est moi qui vous remercie de l'accueil. Okay. C'était vraiment un très bon moment. Merci, mon verre. Voilà. Eh bien, moi aussi, très très content. Très content, très content. Très content, très content. Content aussi. En content, ouais. Eh bien, oui, très content. Très content. Okay. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi pour. Tous les vendredis, entre 8h et midi. Je reçois la Guadeloupe, le Bozier, tous les vendredis, entre 8h et midi. Ibo, plein bon bitin, bambou, comme moi. First ball. La famille. La famille Mirfur, la famille Alberi, à bientôt. Merci. Okay. Merci. Après, l'avantage, c'est qu'avec. C'est lequel? Mais il est bien aussi.
Il est simple, il est normal, il est humain. Plus simple que lui, il n'y en a pas. Voilà. Mais c'est la parole de la maman de Bernard. Voilà, c'est une chose. Ça va. Allez, voilà, il faut pas. Ouais, voilà. Ça va. Allez, toi, maman, on connaît pas. Ouais, maman. Ma mère, elle connaît pas les seuls. C'est moi qui va vous dire. C'est moi qui va vous dire. C'est moi qui va vous dire. C'est toi, pas qu'il y a une chaise pour le moment. Ça va? Bon, ça va.